Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau Twitch de la Garde de Nuit, la communauté francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Aujourd'hui, on parle lecture avec un nouvel épisode des Manuscrits de Mess Raymond, qui est notre format club de lecture mensuel autour des littératures de l'imaginaire. Je suis Nymphadora, et ce soir, je suis avec Namande Salut. et avec Yoda. Coucou. Et le temps que les gens nous rejoignent sur le chat, on va déjà commencer par vous annoncer notre livre du mois prochain, qui est en fait la semaine prochaine. Donc, ouais, on est des oufs, hein, on y va à fond là en ce moment, on lit trop et du coup, voilà. Du coup, Yoda, on lit quoi? Alors pour la semaine prochaine, puisque donc ça sera jeudi prochain, 21h, tout pareil que cette semaine, on va vous parler du premier tome de Vampyria, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixen. Donc Vampyria, c'est l'histoire d'un monde en fait dans lequel Louis XIV s'est transformé en vampire et il règne désormais sur sur un royaume qui en tient la France et puis aussi plusieurs pays à côté, en fait. Et le temps s'est un petit peu arrêté, 3 siècles se sont passés. Louis XIV est toujours là, il n'est pas mort. Mais on va faire la connaissance de Jeanne, une jeune fille qui, en fait, va être enlevée à sa famille et emmenée à la cour dans une école, en fait, qui forme les nobles, avant qu'ils rentrent dans la cour, justement, du roi. Voilà, donc une aventure qui a l'air palpitante, avec un joli petit univers, et puis l'écriture de Victor Dixen, que personnellement j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est un auteur très très agréable à lire, très sympathique, avec un style très fluide. Mais vous en découvrirez plus la semaine prochaine. Ça sera avec John et Corandar. Et toi? Moi, voilà. Eh ben ouais, tout un programme. Oui. Et du coup, pour enchaîner sur notre programme habituel, ensuite on enchaîne sur nos recos du mois. Est-ce que vous avez lu des trucs cools ce mois-ci? Qu'est-ce que vous avez à nous recommander, les filles? Alors, Namande. Moi, c'est simple, hein, je suis monomaniaque. Donc, j'ai lu le tome 4 de Cœur de Dragon, dont j'ai déjà parlé lors du book tag de décembre, passe vite. C'est l'avant-dernier. A priori, je crois que Bragelonne devrait sortir le tome 5, qui est le dernier, en avril, fin avril, si ce n'est pas normalement. Et j'ai assez hâte. Je vous en dis pas plus, parce qu'en fait, c'est le tome 4, donc ce serait vous spoiler beaucoup, beaucoup. Mais c'est toujours aussi chouette. Cool. Et toi, Yoda, tu nous recommandes quoi? Moi, j'ai lu au mois de janvier Symphonie atomique, un livre de Étienne Kunge. Je ne sais pas trop comment prononcer son nom de famille, désolée. C'est l'histoire de la Terre, en fait, hein, la Terre dans quelques années, une Terre un petit peu post-apocalyptique, puisqu'elle a vécu plusieurs catastrophes, alors climatiques, entre autres. Hein. Et du coup, c'est très compliqué de survivre sur la Terre. Et on retrouve 4 grandes puissances qui, en fait, dominent le monde. Il y a l'Europe, la Chine, la Russie et les États-Unis. Et en fait, ces 4 puissances, en fait, se menacent en fait l'une l'autre grâce à un arsenal nucléaire. Et du coup, ça maintient une espèce de paix qui empêche une des forces d'attaquer l'autre. Et ainsi de suite. Et en fait, elles ont placé leur arsenal nucléaire en orbite jusqu'au jour où il se passe quelque chose. Voilà. Donc, j'en dis pas plus pour pas trop spoiler. Mais j'ai adoré ce livre, en fait. Vraiment, je l'ai trouvé super cool. Enfin, super. C'est pas super rigolo, hein, quand même. Parce que bon, c'est très déprimant, quand même. En plus d'être assez réaliste. Donc, c'est encore plus déprimant, quoi. Parce qu'en fait, on sent bien que tout ce qu'il nous raconte, en fait, l'auteur dans son livre, avec ces catastrophes écologiques qui se passent les unes après les autres, bah, c'est quelque chose qui est en marche, en fait, donc qu'on y va tout droit. Mais à côté de ça, il a mis une espèce de thriller, en fait, pour découvrir
qui se cache derrière le gros mystère, qui en fait se permet un petit peu, d'alléger un petit peu le ton du roman, parce que nous aussi, du coup, le lecteur, il veut aussi savoir qui donc se cache derrière toutes ces catastrophes qui s'enchaînent. Et du coup, ça permet quand même un petit peu de souffler, même si en fait les catastrophes, c'est pas très très gai non plus. Mais bon, voilà. Et vraiment, moi, je me suis vraiment pris au jeu d'essayer de deviner qu'est-ce qui allait se passer, qui c'est qui en fait avait tout manigancé depuis le départ. Tout ça avec des personnages que j'ai trouvé assez sympas à suivre. Et notamment, j'ai trouvé que c'était plutôt cool parce qu'on avait un personnage féminin qui avait une cinquantaine d'années en personnage principal. Et je trouve que ça manque vachement beaucoup quand même d'avoir des personnages féminins un peu plus âgés que ceux qu'on peut croiser d'habitude dans les romans. Où, quand même, c'est vrai, on a plutôt l'habitude d'avoir des persos assez jeunes, si c'est surtout juste de l'adolescence, ou voir des jeunes adultes. Là, c'était quand même quelqu'un qui avait vraiment roulé sa bosse et tout. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça assez original et vraiment cool. Entre autres, voilà. Et chaque chapitre, en fait, s'ouvre en plus par un extrait d'une radio qui diffuse des témoignages de personnes qui ont vécu des catastrophes écologiques. Et c'est hyper déprimant. Histoire d'en rajouter encore plus. Je pense que c'était encore pire, en fait, que tout le reste du livre. Parce que là, pour le coup, en fait, on touchait vraiment aux individus. Et un tout petit paragraphe, des fois, ça faisait une dizaine de lignes, pas plus. On avait des vies qui basculaient parce qu'il n'avait pas plu, ou parce que le troupeau mourait, ou des choses comme ça. C'était terrible. Mais le bouquin est super. Voilà, je vous le recommande si vous n'êtes pas trop éco-dépressif, en fait. Sinon, vous allez encore plus l'être. Donc, je ne sais pas trop si je vous le recommande dans ce cas-là. Ouais, moi, je le recommande, je le sur-recommande aussi, parce qu'il est vraiment très, très cool. Je l'avais lu aussi. Par contre, il m'avait mis un peu en PLS. J'étais un peu en mode éco-anxiété, à la lecture. Heureusement, une fois que le thriller commence à se mettre en place, j'ai trouvé que c'était moins lourd quand même. Et pareil, même les petites accroches de chapitres étaient un peu moins déprimantes au fur et à mesure. Mais alors, au début, j'étais vraiment en PLS. J'ai mis un temps fou à commencer le livre tellement ça me... Enfin, c'était au point où j'avais envie de refermer le bouquin et d'aller le foutre au frigo tellement il me stressait, quoi. C'était... Ouais, donc si t'es anxieux de base ou stressé, fais-le dans un bon jour, là. C'est ça, faut pas le faire dans un moment où ça va pas trop, quoi. Et ouais, j'étais un peu en PLS. Mais vraiment, il est très, très bon. Et c'est vraiment cool parce qu'en fait, souvent, dans ce genre de bouquin apocalyptique, t'es en mode, ok, l'apocalypse, ça se passe d'un coup, comme ça, paf. Et là, en fait, c'est beaucoup plus réaliste dans le sens où la société s'est pas effondrée d'un coup. Et en fait, t'es encore dans l'effondrement, mais c'est un effondrement qui est progressif, qui est lent, avec possiblement aussi des portes de sortie ou pas, on sait pas trop, mais et des humains qui essayent de s'en sortir, mais qui sont pas genre en mode, ok, il y a des zombies, ok, on est en mode survie. Il y a toujours une société derrière, parce que c'est juste la continuité du monde qui va juste sérieusement plus mal qu'aujourd'hui. Mais du coup, c'est très 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 bien fait parce qu'en fait c'est pas en un clin d'œil que tout va mal, quoi. Et ça, c'est très bien retranscrit, j'ai trouvé. Mais ce n'était pas le livre que moi j'avais prévu de recommander, même si je vous le recommande aussi. Hop, moi du coup je vous recommande un manga qui s'appelle The Promised Neverland. Alors bon, pour l'instant j'ai lu que le premier tome, mais alors j'ai adoré ce premier tome. En fait, on suit une bande d'orphelins, donc dans un orphelinat qui s'appelle Gracefield House. Alors ils ont une vie franchement cool, hein. Tu vois, c'est pas genre un orphelinat atroce avec les Thénardier, quoi. C'est vraiment ils ont une dame aimante qui s'occupe d'eux, qu'ils appellent maman. Ils sont tous amis entre eux, ils jouent, ils mangent bien. Mais alors il y a un truc un peu bizarre, c'est que on passe leur temps à les tester. Ils ont des tests intellectuels et puis de temps en temps, il y a des enfants qui disparaissent. Alors, ils disparaissent pas vraiment. On leur dit qu'ils vont avoir une famille, donc c'est cool. Mais après, on n'entend plus jamais parler d'eux.
Et un jour, il y a un truc qui va basculer et ils vont comprendre qu'en fait, ces enfants, finalement, ils vont pas vraiment dans une nouvelle famille et qu'il leur arrive des trucs vachement moins cool. Et alors, je ne dirais pas quoi, mais genre, c'est une bascule. Alors, ça arrive très très vite dans le manga, hein, mais c'est vraiment une bascule, genre, t'es en mode « Quoi ?» Et donc après, ils vont essayer de comprendre un peu plus les tenants, les aboutissants et de possiblement essayer de se sortir de cette situation qui risque de leur pendre au nez aussi à tous ces petits orphelins. Et c'était trop cool, quoi. Les personnages étaient trop bien. Et c'était hyper bien dessiné, en plus, c'était très très joli. Et vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant accrochée dans un manga, mais vraiment en très 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 peu de pages, j'étais en mode oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est trop bien, ah! Voilà, je recommande chaudement si vous avez envie de twists et de trucs mignons quand même, parce que c'est mon médiathécaire qui m'avait dit alors on le classe en jeunesse, mais en fait c'est quand même pas vraiment pour la c'est vraiment entre la jeunesse et l'adulte, et ça plaît aux enfants, mais ça plaît aussi énormément aux adultes, parce qu'il y a vraiment plein de thématiques qui ressortent et qui résonnent aussi beaucoup avec les adultes, donc non, vraiment il est très 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 cool, et donc c'est aussi la grande reco de mon médiathécaire, un mec très bien. Voilà, bref. Merci, médiathécaire. Et sur le principe, tu vois, ça me fait penser un peu à l'infirmerie après les cours. Alors, je ne connais pas. Ça me dit. Ah, ça fait longtemps. Hein. Je l'ai lu, je devais avoir 13 ans. Ça fait 15 ans, déjà. Où, effectivement, il y a un principe de les élèves disparaissent. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc derrière. Et tu as la révélation qu'à la fin, c'est pourquoi ils disparaissent. Mais l'univers est bien plus glauque, je trouve. Mais là, c'est pas mal glauque, la quand même. Mais en fait, là, du coup, tu vois pas, mais en vrai, sous la couche... Sur la couche, ça fait chou. Hein. C'est hyper chou, mais en fait, en dessous, là, tu vois, la partie sombre, c'est parce que il se passe des choses... il se cache des choses un peu glauques en dessous, en fait. Mmh. Et voilà. Okay. J'avais lu le premier tome il y a une éternité, je crois, et j'ai jamais lu la suite, mais du coup, tu me donnes envie de la reprendre, cette série, quoi. Parce que je m'étais arrêtée à la fin du premier tome, donc voilà. Puis en plus, elle est terminée, et puis c'est cool, oui, elle est terminée, série de manga terminée, donc... Il y a que 20 tomes, ça va, franchement, oui, 20 ça tomes va. De manga, manga, ça va. Ouais, c'est sympa d'avoir une série un petit peu plus longue, parce que bon, des séries en 3-4 tomes, y en a quand même pas mal, mais en 20 tomes terminés, tout ça, c'est bien. C'est le bon compromis, hein. C'est pas comme mes 90 et quelques Détectives Conan. Ou One Piece. Je suis paumée dans Détectives Conan. J'en ai lu deux. Hop. Bon, mais il va être l'heure de rentrer dans le vif du sujet et de parler de notre livre de manuscrit de Mesraïmon de ce soir, qui est Morgane Pendragon, qui est le tout dernier livre de Jean-Laurent Del Socorro. Aux éditions Albin Michel, qu'on remercie de nous avoir fait découvrir cette petite pépite. Ouais. On est donc dans une réécriture du mythe arthurien. Ici, comme Sophie Alger, la quatrième de couverture, légende morganienne. Puisqu'on est en l'an 601, sur l'île de Bretagne, logique du thème. Et ce n'est pas Arthur qui va retirer l'épée de la tombe du terre, et de la pierre, mais Morgane. Et donc, on va suivre Morgane, Arthur et les chevaliers et chevalières. On est dans un monde où les femmes ont une place importante, et ne sont pas que potiches à faire des enfants, à se marier et à être des politiques. Elles se battent aussi. Elles prennent part active à la vie du royaume. Et donc, c'est comment Morgane va réunifier ou pas le royaume de l'ogre et intégrer, faire sa légende, en fait, intégrer différentes métiers et metteurs.
Je pense que j'ai à peu près bien résumé sans trop spoiler. Je crois, ouais, c'est nickel. Et alors, du coup, ça t'a plu ? Oui, quel est ton... Oui. Ouais. Surtout que c'est mon premier de Jean-Laurent Del Sotero. Vous n'arrêtiez pas de me parler de cet auteur, donc j'avais la pression en lui disant « Oh là là, j'espère que je vais aimer ». J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, que ce soit le style, que ce soit l'histoire au niveau de la réécriture. Et du coup, j'ai hâte de découvrir d'autres. Et toi, Yoda, ça t'a plu ? Oui, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. J'ai trouvé ça super chouette. Pour être tout à fait honnête, j'hésitais entre le smiley très content et le smiley très, très, très content. Je me suis dit, c'est Jean-Laurent Del Socorro, donc il gagne 2 points. Et il passe au très, très, très content. Il a bien mérité. J'ai vraiment trouvé ça super chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Je pense que j'ai à peu près tout aimé, voilà. Donc, il mérite largement mon coup de cœur. Il est fabuleux. Et toi, Nopin ? Eh ben, moi aussi. Moi aussi, je vais sortir les gros cœurs. Donc, ouh, félicitations à Jean-Laurent Del Socorro, parce que c'est la toute première fois qu'on fait un total cœur sur les manuscrits de Mestre Aemon depuis le début où on a commencé ces petites Twitch. Donc, voilà. Et ouais, moi aussi j'ai. Alors pareil que Yoda, j'ai un tout petit peu hésité entre le smiley content et le smiley cœur. Et je pense que je serais restée sur le smiley content si il s'était pas passé genre aux alentours de, je sais pas, des trois quarts du livre, un truc qui m'a fait me dire putain, ce livre est génial. Et donc voilà, parce que j'aimais l'histoire, j'aimais les personnages. Mais j'étais peut-être pas forcément hyper investie émotionnellement. Mmh. Et tout d'un coup, il se passe un truc, et là, j'étais dedans, quoi. J'étais vraiment, mais alors, mon cœur s'est mis à battre, je pouvais plus lâcher le livre, et j'étais vraiment à fond. Et voilà, et dans l'ensemble, j'ai trouvé que, comme toujours avec Jean-Laurent Del Socorro, c'est hyper bien écrit. Les personnages sont très très bien dessinés, ils sont super crédibles, on a vraiment l'impression de pouvoir les connaître. On comprend tous leurs tourments, tous leurs problèmes moraux, même ceux qu'on n'aime pas, on comprend d'où ils viennent, on comprend pourquoi on les aime pas. Et c'est super cool, quoi. Et en plus de ça, vraiment, la réécriture féministe de la légende d'Arthur est super bien. Et je trouve que c'est très intelligemment fait, parce que on arrive à comprendre au travers de l'histoire comment on a aussi pu réécrire l'histoire du point de vue d'Arthur plutôt que de Morgane. Il y a vraiment ce côté très extra-diégétique qui intervient et qui est vraiment super intelligent, quoi. Qui est très bien amené, cool. Et qui te donne envie effectivement de croire que non, mais c'est bon, ils ont réécrit l'histoire. Vive Morgane, quoi. C'est ça. Ah bah, et du coup, donc Jean-Laurent Del Socorro est sur le chat et il nous dit grand merci. Donc, oui, j'ai vu merci. Ça, maintenant j'ai la pression. Merci d'être là, et puis merci pour le livre, parce qu'il était cool. Voilà, on est tous on est toutes contentes de l'avoir lu. Donc merci. Je vais en faire de la pub partout. Ça, une nouvelle adepte de la secte. C'est ça. J'ai le droit à un petit cadeau en rejoignant la secte. Est-ce qu'il y a une petite poupée ou j'en sais rien. Après, on va lui faire peur, il va partir. On en reparlera après. C'est ça. Alors, du coup, pour continuer sans spoiler la discussion, parce que du coup, en général, on attaque la partie spoilante un peu après quand même, on essaye d'être... est-ce qu'il y a des thématiques qui vous ont particulièrement plu, qui font que vraiment, voilà, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans le bouquin, ou au contraire, qui vous a peut-être moins plu ? Bon, moi, je peux commencer. J'ai beaucoup aimé en fait les personnages, mais j'ai beaucoup aimé tous les personnages en fait. Et j'ai trouvé ça super chouette, parce que ça arrive souvent dans les livres qu'en fait il y a des personnages auxquels on n'accroche pas trop, auxquels bon voilà. Mais là, ils sont
très nombreux les personnages, mais en fait, je les ai tous aimés parce que personne n'était parfait, mais personne n'était méchant, enfin, à part à toute fin, quelqu'un qui n'est pas très gentil. Mais en fait, ils ont tous des motivations qu'on peut comprendre, qu'on peut trouver logiques. Des personnages, ils agissent bien, ils agissent mal, hein, certaines fois, mais c'est logique, en fait. Ça vient pas de nulle part, ils sont pas méchants parce que oh, no, je suis trop méchant. Ils ont plein de défauts. Ça les rend vraiment super attachants, en fait. J'avais envie de tous les aimer. Tous, même... enfin, pas le gros méchant à la fin. Tous les autres, en fait. Je les ai trouvés vraiment cool. Tous les chevaliers, enfin, tous les chevaliers, les chevalières. Et, vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait, en fait, de réussir à nous faire attacher à certains personnages qui, pourtant, ne sont pas les héros de l'histoire, en fait. Ça, j'ai trouvé ça très réussi et très bien. Alors moi, il y a un personnage que j'ai quand même vraiment pas aimé. Tu vas voir, ça va être mon personnage favori. Ça se trouve. Non. Non. J'ai adoré tous les personnages de la galerie des seconds rôles. Les chevaliers, chevaleresses de la table ronde. Je les ai trouvés mais tellement bien. Ils ont tous une personnalité. Pourtant, on les voit pas forcément beaucoup. Mais j'aurais voulu passer tout mon temps à suivre toutes leurs aventures. Quoi. Ils sont tous hyper bien faits. J'avoue que j'ai peut-être eu un tout petit peu plus de mal avec Morgane au début parce que je l'ai trouvée très froide. Alors, on comprend pourquoi elle est froide, mais du coup, j'ai eu un peu de mal à m'investir dans le personnage. Et il y a le deuxième personnage point de vue que j'ai trouvé atrocement tête à claque. J'avais envie de le battre. C'est mon personnage préféré. Voilà. C'était obligé. Parce que tout à l'heure, avec Nympha, quand on parlait pour préparer le plus, on disait « Non, mais on le déteste. On le déteste. » Mais genre, je l'aurais en face de moi, mais c'est genre la caricature du mec que je déteste. Mais c'est pas pour moi, c'est pas dans le sens où il est mal écrit. Bien ah non, il est... C'est juste que je le déteste. Il est hyper bien écrit et en fait, tu comprends totalement tous ses défauts, tu comprends d'où il vient. Mais pourquoi tu comprends aussi son melon surdimensionné de gros mâles blancs à qui on... Mais, oui, enfin, j'ai pas spoilé, mais voilà. Voilà. Donc c'est un homme. Perso préféré. Il a été une éducation. Oui. Non, on comprend totalement d'où ça vient, mais... Ouais. On en reparlera du coup dans la partie spoilante. Il va y avoir débat. Mais moi, ce que j'ai adoré en fait dans le livre, c'est la façon dont la religion est traitée. Parce que j'ai trouvé ça la vision hyper politique de la religion, où les personnages ont tendance à s'emparer de la religion, pas forcément du point de vue de leur croyance, alors un peu quand même, mais ils s'en servent vraiment comme d'un outil. Et j'ai trouvé ça très, très tangible et ce que j'imagine en tout cas de ce que ça pouvait être pour un dirigeant de se servir de la religion pour faire passer ses idées, pour faire passer son destin. Et j'ai trouvé ça super bien écrit et j'ai trouvé toute la thématique autour de la religion extrêmement bien développée. Et sans en faire des tonnes non plus, quoi. C'est pas en mode prêchi-prêcha, c'est pas en mode je surligne à gros coup de surligneur, il faut penser ça ou ça. Non, quand ça reste subtil et vraiment très bien amené. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la façon dont c'est traité. Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que moi j'aime beaucoup les histoires qui se passent sur des bascules en fait, à ces moments-là en fait, où des fois c'est des changements de religion ou des changements de... ça peut être autre chose, de croyance, mais et là je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est joliment fait, ça se termine en plus d'une façon
où ça reste encore assez indécis. Mmh. Mais c'est vraiment des moments que j'aime beaucoup voir écrits, voir mis en image. Je trouve que ça, on le voit bien aussi, je sais plus, dans une série comme The Last Kingdom, par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Et c'est vraiment des moments de bascule entre religions. Et c'est intéressant, en fait, de voir ce que les personnages eux-mêmes font de la religion. Qu'est-ce qu'eux, ils y trouvent pas forcément justement d'un point de vue mystique, hein, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas se convertir pour passer du côté plus important, enfin, qui risque de gagner selon eux, quoi, en fait, ou de continuer à garder ses vieilles croyances, d'autant plus quand certains y croient plus beaucoup, en fait, quoi. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que t'as pas forcément le camp des gentils et le camp des méchants avec la religion. C'est effectivement deux croyances différentes, deux jeux de pouvoir différents. Et t'as autant de bonnes personnes que de mauvaises des deux côtés, j'ai envie de dire. Oui, et en plus, ils se respectent. C'est pas non plus un clash des religions. Chacun respecte les croyances des autres. Et ça reste. Et ça, ils en apprennent plus aussi. Et ouais, c'est ça. Ils sont curieux des autres, et c'est très œcuménique au final. C'est ça que j'ai bien aimé avec ce personnage de Augustin, le premier archevêque, qui vraiment était très très intéressant fait, comme personne. Et je l'aimais beaucoup dans ce rapport qu'il avait avec Merlin, où en fait finalement tous les deux parlaient beaucoup, mais parlaient de tout en fait. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant au départ. Là, tu sentais qu'il y avait un pont, je voyais vraiment un pont entre les deux mondes avec ce personnage-là. Et toi, du coup, une autre thématique qui t'a plu, Namande ? Du coup, la place des femmes, et du coup, la réécriture du mythe. C'est simplement femme chevalière, le rapport à la maternité, le rapport au pouvoir. Et comment effectivement la place de la religion et le christianisme qui arrive va réécrire cette histoire, réécrire cette place des femmes. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un rapport à la sexualité qui était hyper agréable. Enfin, on est dans une culture un peu païenne, entre guillemets, et donc du coup une vision beaucoup moins normée du couple. Et c'était totalement fluide et totalement naturel dans le livre, et c'était et j'ai trouvé ça super super intéressant comme approche. Oui. Et j'ai beaucoup aimé la vision de la sexualité et du couple, en plus de la place de la femme, qui évidemment c'est vraiment une réécriture féministe au premier sens du terme, quoi. On n'a pas. C'était vraiment mettre en parallèle, à côté de ça, en plus, la sexualité par rapport au mariage, qui, pour le coup, sont pas tous très heureux, parce que eux sont plutôt politiques, pour le coup. Alors que la sexualité est vraiment très libérée, mais très en dehors de la politique. À part quand c'est l'héritier qui. Voilà. Mais. Autant on pouvait voir les personnages faire, y coucher un peu comme ils voulaient quand même, enfin tous, ouais, et tant mieux. Autant à côté de ça, leur mariage était quand même beaucoup moins heureux pour certains. Et, comme quoi, finalement, un peu comme si en leur mettant un carcan, ça les bloquait un petit peu dans leur liberté. Oh, après, t'as des personnages tout en étant mariés qui étaient libres, hein, et à qui on ne faisait pas de reproches. Non, mais justement, ouais. C'est très différent, la sexualité et le mariage, pour le coup, trouvé. Et si on peut parler des choses qui nous ont un peu chiffonnier, moi j'ai pas trop aimé le tout début, en fait, enfin pas le tout début, mais la deuxième partie, celle avec les premières batailles, et où. J'ai trouvé que c'était c'est pour ça que je pense que j'ai mis du temps un petit peu à rentrer dans le livre. Il y avait des ellipses bizarres. En fait, on suivait certains personnages qui. Ben, comment on suivait que deux personnages principaux ? Je pense que ça l'explique aussi. On suivait Morgane et Arthur, donc
on suit que eux. Ça nous fait manquer des morceaux en fait de toute cette grande bataille, parce qu'on suit pas du tout du coup ce qui se passe au nord. On suit très mal ce qui se passe à l'ouest. On se focalise beaucoup sur les mouvements de leur armée à eux. Et ça se termine presque en se disant oh, bah cool, on a gagné. Mais oui, mais on n'a rien vu de ce qui s'est passé ailleurs. Enfin, ça faisait un petit peu bizarre cette partie-là, alors qu'il y avait énormément de détails quand même. C'était très technique militairement, je trouvais. Donc là, on va mener notre armée là, ça va bouger ça. Mais à côté, il manquait des morceaux. Après, une fois que cette partie s'est terminée, pour moi, par contre, c'était bon. Et le bouquin, je suis rentrée dedans de suite. C'est vraiment cette partie où je me suis dit, mais c'est un peu... Si on pouvait passer à autre chose, quoi. Voilà. Moi, ça ne m'a pas trop gênée. Après, je suis rarement à fond dans les batailles aussi. Donc, en général, c'est de toute façon quelque chose que je passe assez vite. Parce que j'ai un mal fou à visualiser qu'est-ce qui se passe, qui est contre qui, il y a des charges, des machins. Donc là, c'est pareil, il y a des moments où c'est un peu fouillis. Parce que c'est toujours comme ça dans les batailles. J'ai vraiment, non, mais je comprends rien. Moi, quand je dis une bataille, je comprends que dalle. Hein. Mais déjà, déjà quand tu me mets un film, la moitié du temps, les batailles, c'est pareil, hein, je m'en fous, hein, un film avec des batailles, faut que ça aille vite, hein, parce que moi, ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Mais alors, voir les espèces de mêlées, les bouts de corps qui se baladent et tout, en plus, on tue des chevaux, et j'aime pas quand on tue les chevaux. Bref, ça m'énerve. Donc, les batailles, c'est pas mon kiff, effectivement, du coup. Là, ça va, parce que du coup, comme il y a des ellipses, ma foi, au moins, on n'a pas eu à trop en avoir, quoi. C'est ça, c'est des moments hyper importants, en fait, des batailles qui vont arriver. Enfin, ouais. Tu vois. C'est ça. Ah, je sais pas si j'ai quelque chose qui m'a chafouiné, vendu, pas sûr. Hein. Ben moi, je dirais qu'au tout début, j'ai quand même eu du mal à me rentrer dedans parce que Morgane est très froide. Et en fait, je crois que au tout début, je trouvais que Morgane avait beaucoup de traits de Boudica, donc du même auteur. Et bon, forcément, quoi, une réécriture d'une celte guerrière, tout ça, une reine, tout. Donc, et il se trouve que Boudica, j'avais beaucoup aimé tout le long, sauf à la fin. La fin était très abrupte. Et du coup, je crois que j'ai été légèrement frileuse avec Morgane un peu à cause de ça. Parce que elle me rappelait beaucoup Boudica. Et elle a ce côté aussi très froid et très, très gardé. Ce qui s'entend parce que forcément, elle se retrouve avec une charge atroce sur les épaules à porter. Elle a tout un royaume à porter et elle n'est pas forcément prête pour ça. Et en tout cas, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses à gérer pour pouvoir en plus être joyeuse et libérée et tout. Mais du coup, cette froideur au début m'a un peu... refroidi. C'est ça. Mais du coup, Jean-Laurent Del Socorro dans le chat dit qu'il note pour sa version longue moins de batailles et plus de quêtes. Je valide ça. Moi, j'ai adoré les quêtes. Mais les quêtes, c'était si bien. Oh, oui. J'en voulais plus. J'étais moi tellement aussi. Déçue qu'il n'y en ait pas plus. Voilà, le point qui m'a chapouiné. Il n'y avait pas assez de quêtes. C'est comme quand on fait un jeu vidéo. Moi, je fais pas la quête principale, je fais toutes les quêtes annexes. Je vais aller parler à tous les personnages secondaires là-bas. Je vais cueillir les champignons. Je vais tomber sur un truc. Les quêtes, c'était vraiment super cool. Mmh. Et d'ailleurs, des... Non. Vas-y, vas-y. En fait, c'est que ça a donné mes scènes préférées. Je ne sais pas si on peut s'enchaîner sur les scènes préférées ou pas. On peut peut-être attendre. On attend. On attend juste pour pouvoir souligner un point sans spoil, qui est que quand même, moi, j'ai trouvé que c'était génial, notamment avec les quêtes, parce qu'en plus, on sent toute la recherche qu'il y a derrière, parce que c'est des quêtes qui ont lieu dans la légende arthurienne. C'est une réécriture du mythe arthurien, mais du coup, c'est une réécriture où on sent derrière que y a une vraie maîtrise déjà du vocabulaire de l'époque, etc., mais aussi de la geste arthurienne, de ces différentes versions. Enfin, il y a eu
je pense, des sacrées recherches pour en arriver là. Alors moi, je reste un peu une noob de l'arthurien, hein, sortie de Kaamelott et de Disney. Et la série BBC sur Merlin aussi. Oui. Bon, j'ai pas des références arthuriennes toutes terribles, quoi, mais... J'avais pas vu Kaamelott avec un C. Ah si, si, j'avais vu ça aussi. Non, je crois que j'avais pas tenu en dentier devant la saison tellement elle était mauvaise. De toute façon, il n'y en a eu qu'une. Ouais. Ça s'est arrêté. Mais du coup, non. C'était bien Merlin. Oui, Merlin, c'était cool. Oui. Oui. Mais est-ce qu'on peut souligner du coup sans spoil, et j'ai énormément apprécié, donc merci beaucoup, c'est que tu as toute la partie annexe avec toutes les références, les personnes qui ont aidé à écrire le livre, les inspirations, et ça donne des idées pour ensuite nous continuer un peu notre aventure dans la légende arthurienne morganienne. Bah ouais, c'est ça, c'est hyper cool. Ouais, on voit qu'il y a eu du boulot, c'est, ouais. Pour le coup, c'est... Enfin, je veux dire, il a pas décidé un beau jour, tiens, je vais écrire une réécriture d'Arthur en mettant Morgane, et puis je n'y connais rien du tout. Quoi. Non, pour le coup, il y a du boulot. De toute façon, pour qu'une réécriture, elle marche, il faut que tu connaisses les règles du jeu, et après, tu les déformes. D'ailleurs, de toute façon, c'est maîtrisé. C'est un point aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on remplace pas juste... Enfin, c'est juste pas un remplacement d'Arthur par Morgane. Je pense que ça aurait été très simple en fait de faire ça, à la place d'Arthur on met Morgane et inversement machin. Mais non, pas du tout en fait, ça a beaucoup d'implications et ça change quand même pas mal de choses, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est juste un bête copier-coller en changeant le personnage principal. Alors je sais pas si l'une de vous a lu du Marion Zimmer Bradley avec les Dames d'Avalon, etc. On me l'a conseillé, c'est-à-dire que j'ai parlé de Morgane Pendragon à ma voisine qui m'a dit tout de suite, il faut que tu lises absolument les Dames du Lac. C'est les Dames du Lac, non? Je crois que c'est les Dames du Lac, ouais. Ouais, hein. Ouais. Et moi non plus, je ne les ai pas lues, mais du coup, je me demandais justement à quel point on était dans cette même vision féministe, ou si on s'en détachait, mais du coup, je ne suis pas capable de le dire moi-même, puisque je ne les ai pas lues. Mais je pense que de toute façon, déjà, Marion Zimmer Bradley, c'est pas tout récent. C'était une vision du féminisme des années 80, quoi. Donc, je pense qu'il y a déjà des choses dont on peut se douter que c'était pas la même façon d'appréhender la féminité. Typiquement, la maternité. Génial ce qu'il y a eu. Ouais, moi j'ai trouvé ça trop bien aussi. Mais pas que la maternité, j'ai trouvé ça génial. Non, mais le rapport à la maternité de Morgane, moi j'ai trouvé ça, c'est juste quelque chose de qu'on a rarement dans les livres, qu'on devrait avoir plus dans les livres, et qui, je pense, s'éloigne très 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 beaucoup de ce qu'on pouvait trouver dans la vision féministe des années 80, en tout cas, j'imagine. Peut-être que je me trompe. Dans ce cas-là, si quelqu'un un jour regarde ce replay ou sur le chat, peut nous éclairer sur la vision de Marion Zimmer Bradley, je prends. Venez sur le forum de la garde de nuit, on en discutera et tout, ce sera trop cool. Et Jean-Laurent Del Socorro nous dit qu'il faut lire les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. Et il nous envoie des petits cœurs. Ouais, il est trop violet. Parce que moi, ils sont violets. Moi aussi. Au-delà de la maternité de Morgane, j'ai même trouvé que c'était intéressant sur la parentalité, même en règle générale, en fait. C'était intéressant. Des liens du sang, pas du sang. De voir des personnages, enfin d'autres personnages autres que Morgane, qui, eux, ont plutôt l'air d'aimer leurs enfants, pour le coup. Mais aussi des enfants qui sont éduqués par d'autres, en fait. Tous ces points-là étaient vraiment très intéressants. Ouais, mais d'ailleurs aussi le rapport du père à l'enfant, parce que c'est pareil, la paternité, c'est pas quelque chose dont on parle souvent et pas forcément de cette manière-là non plus. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était toute une thématique qui était très très bien amenée.
En fait, c'est tous les différents types de parentalité qui sont abordés. Adoption, pas adoption, proche, pas proche, aimant dès le début ou pas, ou qui se construit aussi comme amour. Ça te montre qu'en fait, c'est pas forcément inné, la parentalité. Merci. Enfin, l'instinct maternel, remballez-le, ça n'existe pas, en fait. C'est ça. Ça, c'est un peu ça. Bon, mais du coup, maintenant, on peut passer à nos scènes préférées. Je pense que là, clairement, bon, déjà, on n'a pas vraiment spoilé. Ça va, on a été sage. On a été sage. Du coup, je pense que maintenant, si vous n'avez pas lu le livre, c'est le moment d'aller lire le livre et de venir nous revoir après en replay pour pour regarder la fin de ce Twitch. Et lisez ce livre. Mais lisez-le, il est vraiment cool. Et donc là, maintenant, vous avez le droit de spoiler. Ouais. Et du coup, de dire quelles sont vos scènes préférées. Yoda, t'allais enchaîner tout à l'heure. Ah bah, moi, j'ai bien aimé les scènes avec le géant Horizon Arthur, en fait. Et je les ai trouvées vraiment super chouettes, toutes ces scènes, en fait. Alors qu'au départ, je me disais, bon, bah, c'est un gros benet, quoi, en fait. Enfin, c'était un peu, mais vraiment, c'est un bonhomme un peu... Enfin, pas un bonhomme, du coup, un géant. Un peu niais. Enfin, je comprenais pas trop ce qu'il venait faire là. Et en fait, c'est Arthur qui l'a compris de suite, qui réussit bien à lui parler, enfin, à communiquer. C'est pour ça aussi que j'aime Arthur, en fait, parce qu'il est pas non plus... trop bête. Et après, ben, ça ouvre vraiment des choses, le géant, le rapport qu'il a avec le temps aussi, le passé, le présent, le futur. Est-ce que quelque chose qui va arriver, ben, pour lui, si ça se trouve, ça va arriver pour quelqu'un dans des années, mais pour lui, ben, ça va arriver demain, il suffit juste d'attendre et puis ça va arriver. Et c'est pas grave. Et c'est important de vivre l'instant présent, ce qui se passe là. Il faut pas être enfermé dans son passé, des choses comme ça. Alors, bon, c'est peut-être des thèmes un peu vus et revus, hein, c'est pas ça. Voilà. Mais c'est quelque chose qui me parle plutôt. Et du coup, j'ai trouvé ça très joli. Il y en a pas tant que ça, des passages avec le géant, mais à chaque fois, ils sont très beaux. Et vraiment, j'ai beaucoup accroché à Horizon. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que c'était plein de poésie, en fait, ces passages. Ils étaient vraiment... Puis sans faire dans le lyrisme, quoi. C'est juste, juste le bon degré de poésie et de mystique, sans en faire trop. Juste ce qu'il faut. Oui. C'est tout doux, tout bienveillant, en fait. T'as une petite parfaite et sur un petit nuage pendant cette scène-là. Ouais. Oui, puis c'est un personnage qui s'en fait pas, en fait. Enfin, il n'est pas inquiet du tout. Mmh. Alors que bon, il y a quelqu'un qui arrive avec une épée pour le tuer, quand même, quoi. Enfin, au bout d'un moment, ça répond que tu t'inquiètes, quoi. Mais non, c'est pas grave. Oh. Pour lui, puis c'est pas grave, puis ça tombe très bien, puisque juste à ce moment-là, il y a les cailloux qui sortent et ils peuvent partir. Donc c'est parfait. Mmh. Voilà. Océan, horizon parfait. Vas-y. Et toi, Nafa, du coup, c'est la scène où tu as le changement qui se fait, qui est ta scène préf? Ouais, moi, en fait, j'ai adoré le moment où on apprend, où Morgane rencontre Viviane et où on apprend tout ce qui s'est passé, quoi. Parce que je me suis dit, parce que clairement, on sent depuis le début que Merlin, il est pas net, que bon, il a élevé Arthur dans des valeurs un peu. Un peu masculiniste, tout ça, mais tu sais pas à quel point c'est une ordure, ce type. Et là, tout d'un coup, t'es là, ah ouais, quand même. Et juste après, Arthur prend son parti à Merlin et ne croit pas, et à aucun moment dans sa tête ne se dit, mais peut-être que c'est Morgane qui est la victime dans cette histoire. Et pas Merlin, et donc parce que du coup, c'est le moment où du coup, Viviane, Elaine et Morgane vont de facto tuer Merlin en l'enfermant sous des pierres, quoi. Et donc Arthur arrive et de suite il croit Merlin. Et à aucun moment il ne croit Morgane. Et à aucun moment il ne se pose la question de si il devrait ne pas croire Merlin en se disant
c'est Morgane quand même. En fait, elle ferait pas ça s'il n'y avait pas une bonne raison de le faire, quoi. Et il dit tout de suite, ah là là, la méchante, ah, c'est pas bien. Et j'ai trouvé que cette bascule était hyper bien fichue. Enfin, ça, t'es en mode, ah ouais, quand même. Ah, d'accord. Ah ouais, il vient de se passer ça, là. Oh, bah, d'accord. Et voilà. Vraiment, j'ai trouvé ça, ça... J'ai pas vu venir, c'est vraiment une bascule que je voyais venir tout en ne la voyant pas venir, tout en la redoutant, en fait. C'est un peu la ce que j'aime. La bascule ou Merlin ? Arthur ou Merlin, je veux dire. Alors, Merlin, je le voyais vraiment venir gros comme une maison, mais ouais. Je le voyais pas venir comme une... pas forcément comme... je le voyais venir sur Viviane... Mmh. Je ne voyais pas forcément venir sur le fait qu'en plus, il était à la source du viol de la mère de Morgane. Donc ça, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Par contre, on sentait que clairement, c'était un personnage atroce qui avait probablement tué Viviane. Mais tu vois, je me disais, bon, bah, il a peut-être tué Viviane parce qu'il est... Il était jaloux de ses pouvoirs, ou qu'il y avait aussi une question de dynamique de magie en plus de la dynamique féministe. Là, non, c'est juste un gros con frustré qui elle voulait pas de lui et il l'a tué, quoi. Bravo, bravo le féminicide. Et du coup, vraiment, on est sur des thématiques ultra actuelles et qui sont abordé vraiment frontalement, et on se cache pas non plus la façon d'interpréter les actes de Merlin, quoi. On va pas lui chercher des excuses à aucun moment. Donc ça, je l'avais un peu vu venir, mais pas totalement. Et après, après Arthur, pareil, j'avais vu venir que, de toute façon, il fallait bien qu'à un moment, il y ait un élément déclencheur qui le fasse complètement se séparer de Morgane. Mais je le redoutais en même temps. Et du coup, la façon dont ça s'est passé, ça m'a un peu rappelé ce que je ressentais dans Le Trône de Fer, avec ce côté, j'attends un moment déterminant tout en ayant peur de ce moment déterminant, et tu le vois venir sans le voir venir, et quand il est là, ça te surprend quand même, quand t'es là, ah oui, ça va jusque là, quoi, oh, ah d'accord. Et ça m'a vraiment complètement accroché, et j'ai en mode ouais, attends, il faut que je lise la suite, là, ça y est, je peux plus lâcher ce livre. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne scène. Les deux, vous avez cité, c'est... Pour toi, c'était quoi? Ouais. Moi, j'aime beaucoup la découverte de Copernic. J'ai mis un post-it dans mon livre sur ça. J'ai mis ma prise Jack pour dire c'est ici dans le. Mais tout ce qui était. Je suis beaucoup moins bien organisée que toi. Non, mais est-ce que alors tu vas faire. C'est pas dire. J'avais le post-it sur le truc de la découverte avec écrit viol dessus. Tu vois, c'est tout. Ouais. C'est très bien. Oui, bah oui, oui. Ah, pas le viol, c'est très bien le petit. Et du coup, j'en avais mis un aussi sur Copernic, avec écrit que ça ressemblait vachement à Grisot. Et du coup, oui, bah, vas-y sur toi, et puis je reviendrai sur Grisot après. Ah oui, parce que Grisot, ça ne me parle pas. Tu rentres vraiment, je trouve, dans cet univers vraiment de Perry, d'Avalon. Enfin, c'est, ça y est, t'es dedans, on a tellement parlé. Pélette, c'est pas n'importe qui, tu l'as vu arriver sur ta barque, mais c'était tellement éphémère. Là, ils sont dans le royaume immobile. Et ce château, enfin, je sais pas pourquoi, ça me fait aussi penser un peu au château ambulant. Moi aussi, ça m'a rappelé. Ah, oui. Mais en fait, tu vois, c'est Grisot, c'est le château de Jogène, Reed et compagnie dans le Trône de Fer. Ah, mais je m'en souvenais pas. Et du coup, mobiles, c'est Holland Reed. Holland Reed, c'est inspiré de... Et donc, il a un château qui bouge. C'est un château... Mmh. C'est un moving castle. Donc, c'est house moving castle. Et donc, là, tu vois tout d'un coup la filiation entre à la fois donc, le clin d'œil de Martine au château ambulant, le même château ambulant de Miyazaki, et en fait, tout ces... c'est cette espèce de petit mélange d'inspiration. Et moi, je les ai toutes ressenties aussi au même moment, quoi. Ce côté, tiens, je suis à Grisot. Ah, ça me rappelle aussi un peu Miyazaki. Ça me rappelle aussi
le château ambulant initial de Diane Wynne Jones, je crois que c'est ça son nom, Diane quelque chose. Et enfin bon, ça, c'est, j'ai trouvé ça trop bien, quoi. C'était un moment génial aussi. J'avais oublié Griso, sinon j'aurais peut-être pensé aussi. Mais effectivement, tout de suite, je me suis sentie dans le château ambulant, côté, c'est pas, magique, mais aussi inaccessible. Tu peux difficilement le comprendre. Cet univers, ils rentrent dedans et c'est encore bizarre pour eux. Ils ont peur. Le lièvre, elle a peur en voyant le calice. Finalement, elle le boit, elle le partage en embrassant Morgane. Enfin, c'est beau. Tout ce qui s'y passe est très beau. Tout en étant. Faut l'appréhender. Tu sens qu'ils ne l'appréhendent pas encore tous comme toi, lecteur. Tu ne pourras jamais mettre complètement le doigt sur tout ce qui est Cobernic et tout ce qui est Pélès, tout ce qui représente. Il y a une aura, en fait. Il y a vraiment une grosse aura dans cette scène. Ouais. Oui, mais en fait, c'est ça. Tu ressens la magie. Tu ressens le. Oui. Tu mets le doigt sur. Tu es dans un autre monde, le monde de la magie, ce monde disparu. Et c'est vraiment retranscrit à travers toute l'écriture et toute l'atmosphère. Tu te sens très privilégié de pouvoir y être, en fait, je trouve. Mm. Oui, et puis c'est vraiment l'endroit de la magie, en fait, alors que le reste du royaume, finalement, le très très peu. Enfin, du moins tant que les féeries ne sont pas ressorties. Et c'est vraiment cet endroit-là. Par contre, qu'est-ce que ça a l'air sinistre comme endroit ? C'est terrible, quoi. Ah ouais. Mais où sont les habitants ? Non, il n'y a pas d'habitants, en fait. Quoi. Ah, c'est ça, t'as un lit et un monsieur, c'est tout. C'est ça, quoi. Mais en fait, le gars, il a un royaume entier, mais s'ennuyer. En même temps, non, puisque le temps passe différemment pour lui. Oui, regarde cette histoire qu'il y a de mariage. Oh, je pensais que j'aurais le temps, 10 ans plus tard. Tiens, hop, je te l'offre. Il a l'air tout gentil comme petit vieux. Mais oui. Petit vieux. En rapport de Merlin, un rapport qui est aussi un petit vieux. Et Merlin, bah, moi, j'ai pas compris le personnage pour le coup. C'est vraiment lui avec lequel j'ai eu le plus de mal parce que j'ai pas compris. Alors, j'ai compris l'histoire avec Viviane, j'ai compris l'histoire avec la mère de Morgane, tout ça. Mais en fait, c'est quelqu'un où j'ai pas compris ses motivations finalement. En fait, j'ai pas compris ce qu'il cherchait à faire finalement. Ah, pour moi, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Je trouve que c'est naze. C'est nul. Ouais, le pouvoir sûrement, parce qu'il voulait garder la mainmise sur le roi, alors qu'il voulait Arthur, peut-être, mais c'est nul, mon gars, enfin, au bout d'un moment, t'es vraiment zéro, quoi. Il était vachement intéressant quand il parlait de religion, enfin, du pouvoir de la religion, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui, pour le coup, enfin, en tout cas pendant longtemps dans le récit, c'est quand même la personne qui a le plus de magie, quoi. Enfin, c'est lui, le volet magie. Et il est prêt à l'abandonner, puisqu'il est prêt à ce que Arthur épouse. Comment vous avez prononcé son prénom à cette pauvre femme ? Tate. J'ai jamais prononcé. Tate. Comment doit-on le prononcer, Monsieur Del Socorro ? J'étais là, je sais pas s'il faut dire Tate. Enfin, voilà. Donc il est tout à fait prêt à ce qu'Arthur se marie avec elle pour que justement les religions, les choses comme ça. Alors que ce gars-là, c'est celui qui a le plus de pouvoir magique en fait. Ouais, et, mais s'en fout, il sait que c'est lui à disparaître en fait. Et je pense qu'en plus, ce qu'il veut, c'est avoir de l'influence. Plus que le pouvoir, ce qu'il veut, c'est avoir il veut que le roi ou la reine se tourne vers lui et qu'il soit le conseiller, celui qui est le grand sage vers qui on se tourne. Et en fait, il déteste le fait que Morgane lui résiste. Je pense que c'est pour ça qu'il veut Arthur. Arthur, il l'écoute et c'est sa chose. Et il veut une chose qui ne lui résiste pas quand il veut pas de pensée contradictoire, quoi. Il veut être marionnettiste, en fait. Il m'a beaucoup déçu. Voilà. Je t'aime pas, Merlin. Voilà. Ah, mais a priori, il avait aussi. Ouais, il avait quand même une sale relation avec son BFF Uther Pendragon aussi, quoi. Genre, le mec,
C'est horrible, quoi. Il lui a quand même, il a transformé son pote en le mec de la fille qu'il voulait pour qu'il puisse coucher avec, quoi. C'est genre, c'est l'accessoire du viol, quoi. C'est genre. Ce que fait aussi Merlin dans la série Kaamelott avec un cas de Alexandre Astier. Hein. Oui. Sauf que le mec, il est tellement, en fait. Enfin, il a l'air tellement con, c'est une série qui te présente comme le pauvre magicien naze, que tu te dis, bah non, lui, il n'a pas réfléchi plus loin que le bout de son nez, c'était pas malveillant, quoi. Là, le Merlin de Morgan Pendragon, il est malveillant. C'est effectivement, comme tu dis, l'outil du viol. Mais c'est l'outil du viol. Mais je pense qu'en fait, juste, il le conçoit même pas comme un viol, il en a rien à foutre, quoi. C'est juste. C'est une femme, c'est un objet, et elle est là pour ne pas résister à son pote, donc on s'en sert. C'est un peu comme aussi genre Zeus avec ses qui se transformait, ouais. Voilà, ça m'a aussi fait penser beaucoup à toutes les transformations mythologiques, quoi. Où dans leur tête, ça leur vient même pas à l'idée que c'est un viol. Enfin, genre ils sont même au-delà de tout ça, quoi. C'est juste une femme est un objet pour le plaisir de l'homme, et voilà, quoi. Et puis elle est bien contente à la fin, en fait. Oui, femme, ben voilà, c'est bien sûr, en plus. Liliane, elle aurait été contente. Hein. Elle disait non, mais c'était oui. Voilà. Mais bon, du coup, ça représente cette masculinité toxique de manière assez frontale et au final très réaliste, hein, parce qu'il y en a un bon paquet, hein, des mecs comme ça. Donc, on en a toutes croisées, on est tous. Donc, c'est malheureux, mais c'est peut-être heureux de le voir comme ça directement et de pas le cacher et de pas l'excuser à la moindre seconde. De bien te montrer que oui, c'est un problème, et on est à tout moment, on est quand même du côté de Morgane, quoi. Il n'y a pas. Oui. Il n'y a pas de discussion. Et par contre, on est moyen du côté d'Arthur quand même. Non, mais il va falloir que tu le défendes, Yada. Il va falloir que je m'accroche pour le défendre. Parce que là. Alors, pourquoi j'ai aimé Arthur ? Je vous rappelle que dans Le Trône de Fer, mon personnage préféré, c'est Aris du Rouvre. Eh bien, en fait, il m'y a beaucoup fait penser. Mais vraiment, beaucoup. Ce qui explique pourquoi je l'ai aimé. En fait, vraiment, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un personnage très, très humain, qui avait été éduqué pour devenir roi, qui ne le devenait pas, et qui était jaloux. Alors, c'est pas bien, hein, mais c'est pour ça que je l'ai aimé, en fait. C'est parce qu'il cachait pas, en fait, qu'il était jaloux. Il cachait pas qu'il était très déçu, en fait, de cette situation. Qu'on lui avait volé son duché à la base, qu'il avait ramé déjà pour le récupérer, qu'il avait cet espoir de devenir roi, que c'était un peu son espoir dans la vie, c'était son objectif. Il avait ça, c'était Morgane qu'il aimait. Et que c'est réciproque, pour le coup, hein, c'est pas du tout une relation toxique, hein, j'ai pas l'impression que... Non. Voilà. Mais qu'elle, par contre, pour le coup, est plus dans une relation ouverte, alors que lui, pas du tout, par contre. Je pense que c'était un problème déjà de base entre eux. Mais bon, disons, imaginons que s'il était devenu roi, ça soit devenu une relation exclusive. mais que du coup, il avait quand même tout perdu, ce gars, en fait. Il n'était pas devenu roi, il avait perdu son amour, puisqu'ils n'arrivent pas du tout à se retrouver sur le même niveau, et qu'en fait, il est juste dégoûté, quoi. Il est dégoûté parce qu'en plus de ça, on lui dit qu'il faudrait qu'il change de religion, enfin, c'est ce que lui fait comprendre Merlin, que ça serait quand même bien qu'il se convertisse pour épouser quelqu'un d'autre, mais lui, il est quand même plutôt attaché à son pays, enfin, à son petit coin. Et on voit d'ailleurs qu'il a plutôt une chouette relation du coup avec le géant, avec Horizon, mais qu'il n'est pas fermé aussi non plus... aux chrétiens, il n'est pas du tout fermé, puisqu'il devient quand même assez pote avec Méléagant, et pour le coup, il n'est pas non plus un personnage facile, mais
qui est quand même lui aussi assez compréhensible, parce qu'il se reproche vachement ce qu'il a fait, mais les Hagans, alors que finalement, bah, c'était la guerre, ils se sont battus, il a tué quelqu'un. Bah écoute, ça aurait pu être l'inverse, c'était pareil, hein, c'était pas sa faute, quoi. Bon, donc, et puis il a perdu son fils aussi, en fait. Et ça, je pense que c'est peut-être le truc qui l'a fait un peu basculer, parce que pour le coup... Alors bon, il éduque pas, et donc je pense que c'est aussi facile pour lui de dire qu'il aime son fils, alors que finalement il le voit une fois tous les trois ans, quoi. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a, il a vraiment un attachement à lui, pour le coup, puisque bah, il va le sauver, et puis il est fortement très dégoûté sur la fin, quand même, que son fils bascule de l'autre côté. Finalement, c'est pas un méchant, Arthur. C'est juste un pauvre mec, voilà. Et du coup, je l'ai trouvé attachant et je l'ai bien aimé. Alors moi, je suis d'accord sur le fait que c'est un pauvre type. Mais par contre, en fait, moi, ce qui m'a gavé avec lui, c'est qu'il se cherche des excuses tout le temps. Et en fait, tu vois, il est dégoûté, il est jaloux. Mais à aucun moment, il ne s'avoue qu'il est jaloux. Et, parce que la première façon de passer à autre chose et de vraiment accepter Morgan, ce serait de dire... Ouais, putain, en fait, je suis super jaloux. Il faut que je me dégonfle et c'est bon, quoi. À aucun moment, en fait, il a des propos de jaloux, mais il dit, ah oh non, quand même, elle est bien, Morgane et tout. J'ai pas le droit de penser ça. Je suis pas jaloux. C'est pas vrai, je suis pas jaloux. Et en fait, tu sens qu'il essaye, il essaye de s'auto-convaincre qu'il n'est pas jaloux, qu'il est un mec bien et qu'il est un mec qui supporte Morgane. Alors que bon, nous, on a tous compris que oui, bon, bah, d'accord, il est mort de jalousie, bon, bah, c'est bon, quoi. Mais et en fait, je pense que justement, c'est ça, c'est vraiment le pauvre type de base qui est pas foutu de juste dire c'est bon, j'ai des défauts et je vais travailler sur moi-même. Et c'est ça qui m'a gavé chez Merlin, quoi, chez Arthur. C'est vraiment ce côté ah là là, j'ai un ego. En fait, il a un ego surdimensionné. Il est super persuadé d'être qu'il est l'homme providentiel, que c'était que quand même oh là là, il aurait été un bon roi quand même, ah, et tout, et oh, il peut pas penser ça, c'est pas bien, mais je suis pas jaloux, hein, non non, c'est pas vrai, ça, c'est bon, oh, c'est bon, assume, d'accord, t'es jaloux, passe à autre chose et qu'on en parle plus, quoi. Après, c'est difficile pour lui de passer à autre chose, en fait, parce qu'il est alimenté aussi par Merlin, il est alimenté par Gauvin aussi, qui l'admire, qui quand même à Morgane, bah, il aurait fait un bon roi et t'aurais mieux fait de l'épouser, meuf. Oui, ouais, non, mais clairement, ça, et il a totalement son éducation et il a aussi le soutien de tout le patriarcat derrière aussi, hein, parce que mine de rien, ouais, avec tous ces bons hommes derrière qu'il aurait suivi les yeux fermés parce que c'est un mec, alors que Morgane, elle, bon, ben. Bah, tu sens quand même que ça les fait chier juste parce que il faut suivre une femme, donc on va dire non. Alors que ça aurait été Merlin, ça aurait été Arthur qui aurait eu l'épée, c'est bon, personne n'aurait moufté, quoi. Et donc il y a clairement aussi de ça, quoi. Il aurait été probablement un bon roi. Et c'est d'où le fait qu'en plus on lui propose de réécrire son aventure. En faisant de lui un bon roi et de devenir le héros de son histoire, et évidemment que ça le séduit, c'est logique. Mais dans le chat, on nous dit, moi j'ai bien aimé Arthur, surtout quand on apprend qu'il n'a pas trahi, et parce que effectivement, moi j'étais comme lui. Je pensais aussi que c'était lui le méchant de l'histoire, comme Morgane est la méchante, et donc lui, il resterait méchant. Et au moment de la bascule, je me disais, mais what? Et c'est aussi pour ça que j'ai été vraiment à fond dans ce pivot de l'histoire, parce que je me suis dit, ok, ah ouais, quand même. Mais d'un autre côté, les personnages, ils sont tellement nuancés que comment il peut devenir si méchant et j'ai aimé que justement, il ne soit pas non plus vraiment méchant, qu'il se rende compte et qu'il ait grandi finalement, qu'il apprenne de ses erreurs et qu'on se rende compte que non, c'est pas la pire des raclures. C'est cool, c'est vraiment bien. Oui, c'est ça. C'est pas tant qu'il a pas trahi, parce que si, il trahit, juste qu'il change. Il fait un cheminement de pensée différent. Ouais, bon. Souvent, il trahit quand même à un moment donné. Oui. Il a quand même balancé sa lance sur un pauvre petit vieux. Ah, non, clairement. Vraiment. Mais...
Mais non, mais il est hyper humain, en fait. C'est ça, c'est... Parce que, tu vois, genre, moi, il m'a gavé, mais n'empêche que enfin, je m'auto-gaverais aussi beaucoup, tu vois. Enfin, je le comprenais, quoi. Enfin, si tu prenais une histoire de moi, bah oui, moi, je serais vraiment une pauvre fille aussi. Hein. Je serais insupportable, tout ça. Je serais une héroïne désastreuse, hein, clairement. Donc, j'ai trouvé très logique, en fait. Voilà, c'est ça. Il est vraiment très humain. Il est très humain. Voilà, c'est... Moi, je crois que j'aime beaucoup ces personnages comme ça, en fait. Donc, c'est sûrement pour ça que j'ai bien accroché avec lui. Il est humain du début à la fin, vraiment. Moi, j'ai aimé ne pas l'aimer, en fait. Oui, c'est ça. Il est bien écrit pour ne pas être aimé. Mais je l'ai quand même aimé, tant pis pour lui. T'as des goûts bizarres, écoute. C'est qu'en plus, pendant un moment, j'ai vachement hésité avec Tate, en plus. Quand à la fin, elle m'a vraiment saoulée, pour le coup. Ah non, elle est relou. Mais par contre, tout le début, je l'ai super chouette. Je l'aimais vraiment. Elle est très intéressante. Beaucoup, beaucoup, elle est hyper intéressante, ouais. Dans le rapport avec la solitude, en fait, c'est Arthur qui en parle sur la fin. On s'y dit que, justement, ils sont que tous les trois, Millie, Hagan, Tate et lui, parce que tous les autres se sont ligués contre eux, en fait, et que du coup, ils sont seuls, et qu'il comprend, enfin, il compatit vraiment avec ce qu'elle, elle a pu ressentir au début, où pour le coup, c'est vraiment la seule chrétienne du groupe, et presque, on n'a pas envie de l'aimer, parce qu'on est quand même dans un livre un peu fantastique, où la magie, c'est chouette, et les trucs, enfin, c'est plutôt cool, hein, et qu'elle, elle a vraiment un très mauvais rapport avec la magie, enfin, pour elle, c'est pas possible. Et que du coup, bah, elle est complètement isolée dans le groupe. J'ai trouvé cette thématique de la solitude vraiment très très bien faite. Et ça explique en fait le parcours du personnage, qui elle, pour le coup, s'est vraiment en plus convertie, alors qu'elle y croyait très très modérément, mais que bon, c'était un peu sa seule solution pour hériter de son père, parce que son frère à elle, pour le coup, n'a pas voulu se convertir. Et du coup, en se convertissant, elle devenait l'héritière. J'ai trouvé ça pas mal intéressant d'ailleurs, sur le coup, que elle restait l'héritière alors que c'est une femme. Et j'ai trouvé, du coup, cette thématique de la solitude vraiment intéressante. Tate était vraiment très, très chouette. Et du coup, sur la fin, elle commençait vraiment à devenir vraiment un peu trop relou pour moi. J'en avais un peu marre. En fait. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est le moment où elle vire un peu du côté fanatique. Même si sur la toute fin... À la toute fin, il y a une bascule. Il y a le moment où elles se reconnaissent, Morgane et elle. Et où elles se voient quand même l'une dans l'autre. Et où elles ont quand même un respect énorme l'une pour l'autre. Et justement, moi, j'ai aimé le fait que Tate respecte toujours Morgane. Et pour le coup, elle est fanatique, mais elle est fanatique dans le respect de l'autre, ce qui est quand même pas facile à faire. Et j'ai trouvé ça hyper cool, quoi. Le fait que... et elle essaye toujours quand même de ne pas dire du mal de la magie et tout. Elle comprend pas, ça lui fait peur. Mais elle est quand même elle est quand même très respectueuse. Donc c'est quand même elle est beaucoup plus complexe que juste une pauvre fanatique, quoi. Mais tu le vois avec son rapport avec le Changeline qui se trouve au niveau de la grange. Enfin, je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me saouler. Pour le coup, c'est la deuxième fin. C'est la fin du récit, entre guillemets, je trouve. Enfin, c'est bien avancé. Et là, effectivement. Je m'attendais, comme les autres personnages, à ce qu'elle le bute. À ce que tu entends parler que bah, le type, il a eu son procès, et il a été tué ensuite. Pas du tout. Elle le prend sous son aile en mode « Je peux te convertir, tu peux devenir un mec bien, mais alors par contre, t'oublies qui tu es. Hein. T'es pas un changeline, t'es pas une féerie. » C'était peut-être encore pire, moi, je trouvais ça. Je trouve que c'était pire. Très cruel, ouais. Je trouve que c'est affreux. Mais elle accepte d'avoir quelqu'un comme ça, avec elle, tout le temps en train de l'accompagner, qui est son écuyer quand même. Je te dis pas que c'est bien ce qu'elle a fait, c'est affreux. Mais je m'attendais pas à ça de sa part. Je m'attendais à un rejet total de la magie, genre tu m'approches pas, tu restes loin de moi. Ouais, non, mais c'est quand même un personnage qui est très complexe et qui a ses failles aussi. Non, elle est assez cool. Elle est très bien écrite, quoi, en fait. Oui. Juste.
C'est pas manichéen. Il n'y a aucun des personnages qui n'est manichéen, quoi. C'est super agréable. Oh, à part Laurent. Voilà, c'était Laurent. <merde. rire> Ah ouais, lui pas aussi. Aimé Laurent. Ah ouais, alors, il est insupportable. Le méchant voilà, là, archevêque. Pour le coup, je trouve qu'on tombe vraiment dans le fanatisme, pour le coup. Parce que bah, le gars, il veut tout faire cramer. Allez hop, en avant, c'est la fête. C'est festif. Bah, t'as Galad ouais, aussi qui est quand même sérieusement gratiné. Ah, oui, mais tu le vois bah, trop peu. Tu le vois trop peu pour savoir que. Et puis bon, tu sais que justement, il a été élevé par un fanatique, donc il devient fanatique parce qu'il a été élevé attends. Comme ça, quoi. Ouais. Tu veux dire Mordred parce que Galad. Oui, non, pardon, Mordred, oui. Oui, pardon. Oui, je pensais à Mordred, pas Galad. Mais Galad aussi, c'est un connard, mais. Oui, mais tu le vois pas voilà. Assez pour savoir que Galad est un connard. Voilà. Alors que Perceval, elle est trop bien. Et d'ailleurs, Galad, pas compris. J'ai pas compris non plus son revirement. Non plus. J'ai pas trop vu d'où ça venait, par contre. Je pense qu'il y a eu de la jalousie vis-à-vis de Perceval. Oui. Ouais. Je pense que c'est un peu un miroir d'Arthur, quoi. C'est, lui aussi, il est jaloux de, Perceval. Il a un peu la relation de proximité avec elle et... Parce que pour le coup, il avait déjà commencé à trahir bien avant, quoi. Enfin, d'être l'espion. Il peut être jaloux de Perceval depuis longtemps. Enfin, elle a 14 ans, quoi. Mais à un moment, faut arrêter. Faut pas être jaloux des enfants, quoi. Enfin, c'est pas... Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça trop cool que que Perceval soit oui. Une femme. C'était trop bien. Oui, fait. J'ai trouvé ça tellement bien. C'était fabuleux. Ouais. Ça marche bien en prénom féminin. Mais complètement. Non, c'était trop bien. Merci, ça marche pour tout le monde. Et par contre, tu vois, en parlant de revirements qui sont complètement incongrus, Mordred à la fin, qui est le petit enfant qui voulait juste l'amour de papa-maman, je ne l'ai pas compris. J'ai eu du mal à le comprendre. Enfin, il a été enlevé. J'ai dit Mordred ou j'ai dit Galad ? J'ai dit Mordred. Bah Mordred, mais moi pour le coup j'ai plus compris Mordred. Bah, il a été enlevé tout petit. Oui. Est-ce que tu veux qu'il se souvienne de l'amour ou pas amour de ses parents ? Ah oui, sur ce point-là. Oui, bon, oui, oui sur ce point-là. J'avais pas compris du pourquoi est-ce qu'il lui était enlevé. Pardon. Peu... Ouais, mais parce que je... Grognon méchant. Je pense que l'amour de ses parents, il s'en rappelle pas, mais en fait, c'est, je pense que on lui en a parlé, enfin, et qu'il l'a projeté via Laurent. En fait, qu'il a, il s'est imaginé, il s'est fait une espèce de mythe dans sa tête de la façon dont ses parents l'aimaient ou ne l'aimaient pas, parce qu'on l'a arraché tellement jeune que du coup. Bon, si vous voulez l'amour de ses parents, pour le coup, je pense pas qu'Arthur l'aimait pas, quoi. Autant j'ai plus de doutes avec Morgane qui, sans ne pas l'aimer, a du mal avec la maternité. Donc voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'Arthur, lui, ait quelque chose contre Mordred. Au contraire, il fait non, tout ça pour non. lui. Donc, il veut être avec lui et je pense que Laurent l'en empêche. Oui. Ah oui, carrément, il le fait chanter tout le long. Donc, Et puis Mordred a l'air de un peu dégoûté par ce qui est devenu son père aussi. Enfin, du coup, ouais. Ça. Mais du coup, il a une relation hyper ambiguë à ses parents. Enfin, tu sens que... Pour le coup, il a vraiment des daddy issues et des mommy issues, ce garçon. C'est... Il est pas parti sur des bonnes bases. Non, pas vraiment. Du coup, forcément, il a aucune réaction saine, mais c'est normal, enfin, le pauvre garçon. Bon, sinon, Jean-Laurent Lannet Socorro nous dit merci pour les compliments et en fait, il nous dit que tout ça, c'est pour qu'il continue de nous ramener des croissants sur les salons. Alors, c'est vrai qu'on aime bien les croissants et qu'on le remercie encore pour les croissants des Imaginales. Mais c'est trop bien, faut que je fasse des salons, moi. Eh ben, on sera à l'Ouest-sur-Lan, voilà. Mais on sera là, il n'y a pas de souci. De toute manière, maintenant, on a des livres à faire dédicacer. C'est ça. On va coûter cher en croissant, c'est ça que vous êtes en train de dire. Mais on achète beaucoup de livres aussi.
Un personnage aussi sur lequel j'ai eu du mal pendant longtemps, c'est Kay. Kay, pareil. Comment ah, ouais ah oui, ce ah, je l'ai bien nommé, moi. Oh non, il était super relou. Au ah début, bon vraiment. Ah oui. Ah, mais j'ai trouvé ça cool. Moi, je l'ai bien aimé aussi. On est sur la même longueur d'onde avec Nympha. Tant pis, je restais toute seule avec Kay. Et puis, tant pis. Non, mais son côté paternaliste, lui, pour le coup, c'était vraiment fatigant, quoi. Ah, au bout d'un moment, j'avais envie de lui dire, c'est bon. D'ailleurs, elle le envoie bouler assez souvent. Ça faisait du bien. Je faisais, allez, vas-y, prends-toi ça. Blablabla. Ça, ça m'amusait beaucoup, pour le coup. Et par contre, à la fin, bah, il était plutôt chouette. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, sa relation avec Alamed. Voilà. Et que du coup, bah, il s'est vachement détendu. Il était super cool sur la fin. Je fais, ah, voilà, un perso qui a une bonne évolution, c'est parfait. Mm. Voilà. Non, mais au début, il est infernal. Mais non, c'est oh, le grand frère. Ouais, c'est un grand frère. C'est grand frère protecteur, quoi. Bon, en plus, il vient de voir son papa qui s'est fait tuer et tout. Il est, il est le seul à pouvoir. Voilà, il prend le rôle un peu. Il le prend maladroitement, il est un peu, voilà, un peu il est too super much. Relou. Attends, est-ce que t'as un grand frère, Yoda? J'ai un petit frère qui est très grand. Ah. Ça aurait pu expliquer. Non, j'ai pas de grand frère. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'était cette relation de Kay avec Palamedes. Pour le coup, c'était une relation avec deux religions complètement différentes et qui fonctionnent très bien. Et donc, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, en plus de bien calmer Kay, qui du coup était beaucoup plus facile à vivre. D'ailleurs, le perso de Palamed aussi est vraiment super sympa, en fait, du début à la fin. Ce bonhomme, il arrive, moi j'ai trouvé que c'était un peu une bouffée d'air frais, un petit peu, quelque chose comme ça, qui a un peu un regard neuf sur la situation. Il découvre qu'il y a des féeries, qu'il y a des gens qui ont de la magie, machin, tout se passe bien, tout est sympa, tout, voilà. Finalement, il s'installe bien dans le coin, hein, pour le coup, il arrive, il reste bien quelques années. Il fait bien le boulot qu'on lui demande, et ils gardent tous les deux, là, chacun leur propre religion, sans que ça se passe mal. Enfin, ils ont l'air tout à fait très heureux. J'ai trouvé ça super cool, ça m'a beaucoup plu, il faut continuer comme ça. Ah, il y a une belle tolérance, en fait. Mais dans les autres personnages que j'ai beaucoup aimé, il y a Elaine aussi, donc la fille du roi Pélès. Elle était tellement bien, elle était tellement stylée. J'ai surkiffé. Je trouve que elle était. Mais pareil, j'aurais voulu juste un roman où je la suis dans une quête, quoi. Ouais. Et puis en plus, bon, elle a pas eu. Enfin, déjà, elle a dû quitter son royaume immobile. Ça doit pas être facile, en fait. Elle abandonne de facto la magie, ce qui est quand même un sacré déchirement. Puis en plus, elle a tout le drama avec Merlin qu'elle accuse à raison d'avoir tué sa mère. Du coup, ça devait pas être facile en vrai la vie à la table ronde, mais elle est quand même toujours là, toujours partante. Elle boit des coups avec Lancelot, elle s'envoie Lancelot, tout ça, elle est trop cool, elle est trop bien. Lancelot qui est mi-relou, mi-super cool, en fait. Mais oui. Mais oui. Et j'ai pas réussi à savoir s'ils avaient envie de le baffer tout le long ou si, en fait, il était super adorable. Ça dépend, quand tu jettes une pièce, si c'est pile ou face, selon les phases de la lune. Lancelot, super, quoi. Vraiment, oui, parce qu'il est relou, mais très cool, quoi. Enfin, ouais. Je ne sais pas non plus. Vraiment, moi, ça passait super bien. Il est super, ce personnage, quoi. J'avais jamais vu comme ça. J'ai vraiment trouvé super sympa. Non, il était trop bien, ouais. Ouais. Et pour le coup, vraiment pas de rancune. Mm. Vraiment, quoi. Bon, il est triste, sa mère est morte, d'accord. Mais oui. C'est pas grave, mais il réussit pas très facilement. Je ne veux pas non plus lui dire que. Mais il réussit à passer au-dessus. Il continue à vivre. Il couche à droite, il couche à gauche. Il a des gamins. Il se bat. Il est blessé. Il va mourir. J'ai mal. Voilà, mais c'est pas grave. Il est guéri après. Enfin, vraiment, Lancelot, très très chouette.
En fait, il a l'ego bien placé. Genre, oui. il est bourré d'ego, mais contrairement à Arthur, il a l'ego bien placé. Arthur, il a l'ego mal placé. Du coup, t'as les deux faces d'un même ego. Et il y en a un qui est trop cool et l'autre qui est super chouette, l'autre. Non, il prend super bien les vannes que les autres lui envoient, en plus. Enfin, vraiment, quoi, c'est... Non, vraiment, il est chouette, lui. Et chouette aussi, c'est de se dire que, ok, il n'en veut pas pour la mort de sa... Ça le blesse et tout, mais il n'en veut pas pour la mort de sa mère, c'était la guerre, c'est comme ça. Et quand il demande à Morgane, et toi, est-ce que tu aurais accepté... Tristan, oui. Est-ce que tu aurais accepté Tristan à la table ronde? Tu as fait bien comprendre que non, il n'en veut pas à Morgane, il n'a aucune rancune envers Morgane par rapport à ça. Mm. Et il ne demande pas aux gens d'être aussi parfaits que lui. Ah non, il est super stylé. Hein. Oui. Guenièvre aussi est quand même grave stylé. Et oui, Guenièvre. Et je sais pas vous, moi j'ai eu peur que ça soit elle la traite. Et j'ai beaucoup aimé que ça ne soit pas. Ah, moi non, à aucun moment. Moi, pour le coup, j'avais toujours confiance en Guenièvre. Mais en fait, pour moi, ça... J'ai vu venir de suite Galahad, en fait. Je me suis dit que allez, c'est... si on avait un, c'était forcément lui. Bah, tout de suite, parce qu'on te met bien en avant que, il y a des chrétiens quand même, en Carmélie. Et puis, moi, j'ai pensé aussi au mythe arthurien. Guenièvre, sur beaucoup de récits, c'est pas la gentille, hein. Elle trompe Arthur avec Anto. Elle est. C'est pas la gentille histoire. Super chouette, elle a venu. Non, mais là, elle est très bien écrite. Mm. Avec ce masque de je dois pas montrer mes émotions, vis-à-vis de sa fille Perceval, et puis de le monde entier, en fait, ses failles, ses faiblesses. Elle les garde pour elle, elle est très intelligente, mais elle sait être aussi rigolote. Douce, elle est très douce du coup, elle est très compréhensive envers Morgane. Ouais, ça c'est vraiment l'oreille de Morgane, c'est vraiment son pilier quoi. Et leur relation, elle est formidable, elle est magnifique quoi. Jusqu'à la fin. Hein. Et jusqu'à la fin, ouais. Et Morgane part avec Arthur, mais Guenièvre le comprend. Enfin, elle est vraiment sublime leur relation là, toutes les deux. Il n'y a aucun ressentiment. C'est vas-y. Pense enfin à toi, bon sang. C'est ça. Ouais, non, c'était vraiment un chouette bouquin. Oui. Et c'est un chouette bouquin avec un style très simple à lire, très agréable, très fluide, vraiment chouette. Et puis de temps en temps, je cherche depuis je touche, de temps en temps, il y a des jolies phrases super poétiques, enfin vraiment belles, mais qui sont très bien intégrées. Et il y a eu des phrases sur lesquelles je me suis dit, oh, purée, c'est vachement beau ça. Enfin, mais vraiment, je me dis, ça, une phrase en plein milieu d'un chapitre, tout ça, je me dis, ouais, c'est joli, ça me plaît, et sur lequel je suis revenue pour les relire, les phrases, tout. La phrase en elle-même est bien construite, c'était beau à lire. Et c'est tout ça dans un style qui est très simple, vraiment, il n'y a pas besoin de s'arrêter, de dire, putain, je ne comprends pas ce mot, machin. Des fois, il y a des mots que je n'avais pas compris parce que je n'ai pas de vocabulaire sur certains vêtements militaires ou des choses comme ça. Ça ne gêne absolument pas, hein, parce qu'on le comprend dans la phrase d'après ce que ça veut dire. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, c'est à la fois un style que simple, et efficace et beau. Voilà. J'aime énormément Jean-Laurent Del Socorro, si vous ne l'aviez pas compris. Voilà, vraiment très agréable à lire, ça se lit tout seul et ça m'a beaucoup plu. Du coup, ça mérite largement en fait le cœur. Non, puis c'est un livre, depuis que je l'ai refermé, j'y repense en fait. C'est un livre qui, je pense, me restera. Il y a des images genre Corbenic ou des choses comme ça qui me resteront longtemps, je pense. Ce qui n'arrive pas toujours avec des bouquins que tu apprécies et que tu lis et que tu dis « Oh, c'était trop cool !» Et en fait, après, une fois que tu l'as refermé, bon, ben, tu passes à autre chose, tu lis un autre bouquin et le livre reste pas avec toi. Alors que là, celui-là,
vraiment, je pense que Morgane, Guenièvre, elles seront là avec moi. Quand je reverrai les prochains, quand je reverrai des Kaamelott, je repenserai à Morgane et je me dirai que quand même elle manque un peu hein, dans cette série. Et Guenièvre, elle paraît très fade. Et que Guenièvre, elle sera très fade. Oh, elle est pas fade. Hein. Ah, non, elle est pas fade. Que ça. Elle est pas fade. Elle est pas fade. En fait, elle a compris. Je pense qu'elle s'est adaptée au mieux à la situation. Elle est en fait, elle est très résiliente finalement en fait. Oui, elle est écrasée par Arthur hein, dans la série. Écrasée par Arthur dans la série, mais du coup, elle sait quoi en faire pour passer à autre chose et enfin en tirer son parti. Mmh. Voilà. Elle est mille fois plus intelligente que ce que les gens croient qu'elle ne l'est dans cette série. Bah, c'est simple, hein, on le voit à la fin de la série. Oui. Je sais pas à quel point je peux spoiler la série du coup. Parce qu'on est dans le spoil du livre. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu la série. Voilà. Ah bah, du coup, je vais faire un spoil de la série si vous ne l'avez pas vu. À la fin, quand Arthur était complètement suicidaire et dépressif, justement, c'est là qu'elle arrive à prendre sa place, à montrer qu'elle est intelligente. Elle lui dit hein, ah bah, c'est sûr que quand il est à moitié mort, il se laisse plus faire hein, et elle peut prendre soin de lui. Sinon, il ne la laisse pas faire. Non, mais oui, elle est cool aussi. Mais c'est pas la même. Hein. C'est clairement pas la même que celle de Morgane. Non, non, non. Moi, je préfère celle d'ici. Elle est super intelligente, celle du livre. Vraiment, Par contre, on ne sait pas, est-ce qu'elle a peur des oiseaux ? Est-ce qu'elle a peur des oiseaux ? C'est peut-être pour ça que c'est un masque de vipère. C'est pour croquer les oiseaux. Ah, peut-être. J'ai trouvé ça super, les masques. Mais oui, moi aussi, j'ai adoré les masques. Et maintenant, j'ai envie de. Il faut vraiment que je trouve une image parce que ça a l'air fabuleux. Vraiment. Il dit à la fin du livre de quoi il s'est inspiré pour les masques, mais j'ai pas du tout eu le temps d'aller voir ce que c'était. Donc il faut que j'aille voir ça parce que ça a vraiment l'air hyper chouette. Ouais, c'est super. Non, c'est trop stylé les masques. Oui. Moi aussi, je veux un masque, mais j'ai pas de casque pour l'accrocher. Donc bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Ah non, j'ai oublié de dire que j'aimais aussi beaucoup Arcade, la barde. J'ai une question, qui est-ce qu'on n'aime pas? Laurent. Laurent, c'est un connard. Et puis Arthur, on aime bien ne pas l'aimer, toutes les voilà. deux. On aime bien ne pas l'aimer, on a dit. Mais oui, Arcade aussi. Arcade est super stylée aussi. Chouette. Bon, après, ça, c'est mon truc à moi, mais j'aime pas la poésie dans les livres. Oui, j'avoue que je les ai un peu zappés, ces passages-là. C'est un truc que moi aussi, mais... pas, c'est très personnel, pour le coup. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Moi, Alors, c'était très rigolo, le Seigneur des Anneaux, par contre. La petite référence au Seigneur des Anneaux était cool, ouais. Ouais, mais après, c'est vraiment très personnel, tout ce qui est poésie ou chanson... En fait, je ne sais pas comment le lire dans ma lecture. Et du coup, je finis par le sauter parce que j'arrive pas à l'intégrer dans ma tête, dans ce que je lis. Ça restait comme... Mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis Arcade est quand même un perso super cool. Voilà. Et puis, en fait, c'est pareil, je suis assez peu sensible au poème lui-même, mais j'ai trouvé ça super cool qu'il y ait une barde. Parce qu'au final, c'est quand même ce qui nous reste. Des récits arthuriens, c'est quand même aussi la chanson, et du coup j'ai trouvé ça vachement bien que ça reste intégré et là aussi en fait c'est cette espèce de petit regard qu'on peut avoir nous en tant que lecteur sur ah ben voilà, en fait ça c'est un easter egg que, en fait ça, la légende arthurienne ça pourrait vraiment être la légende morganienne c'est ce connard de Laurent qui a tout réécrit parce que c'est les chrétiens qui ont gagné. Et oui, d'accord, la religion chrétienne, elle a trop fait à sa sauce pour y mettre un bonhomme. Et ça y participe, en fait. Je trouve que toutes les poésies, ça participe au fait qu'on est vraiment dans cet univers de la geste arthurienne et on arrive à croire facilement que ça s'est passé comme ça. Et que tout a été réécrit derrière. Oui. C'est hyper crédible. C'est ça. Vraiment. Ouais, c'est vraiment. C'est ça. C'est vraiment une réécriture intelligente. Quoi. C'est
ça te fait remettre en question ce que tu sais de la... Parce qu'en plus, tu sais pas grand-chose, finalement, de la geste arthurienne. Il y a plein de trucs qui se contredisent, machin. Il y a plein de versions. Il y a plein de versions. T'as les versions par les chrétiens, t'as les versions païennes. Donc déjà, tu sais que, justement, tout ce qui est autour de la religion, c'est quand même un peu... Ça a été réécrit par les chrétiens derrière. Donc bon, bah déjà, tout ce côté-là est très crédible ensuite vis-à-vis de l'histoire qu'on nous raconte. Et du coup, en avoir une autre version... féminine, ça marche du tonnerre, quoi. Tu gardes, en fait, ce qui le rend crédible, c'est que tu as des points d'ancrage, des choses qui ne changent pas. Le Graal est trouvé par Perceval. Globalement, le Graal est assez souvent trouvé par Perceval. Je crois que tu as dans une version où c'est trouvé par... Il y a Gauvin et Galad, donc là aussi on avait Gauvin et Galad, donc tu dis oui, c'est crédible parce que tu retrouves des éléments dans d'autres choses. Et tu as ça aussi dans les religions. Tu as beaucoup de religions où tu as le déluge, par exemple, sous différentes formes, mais c'est quelque chose qui revient. Et c'est ça que tu dis oui, bah, y a peut-être eu un élément historique à un moment donné, quelque part, il y a eu un déluge et ça a été transformé dans les différents peuples, cultures, religions par ces différentes réécritures. Et là, c'est pareil. Le fait que tu aies des points d'ancrage, des choses qui ne changent pas, ça le rend crédible. Et puis tu as Excalibur. Excalibur, elle est quand même trop stylée aussi. C'est vrai, mais oui, en fait, c'est pas Excalibur qui est là. Mais c'est ça. Et en fait, moi, au début, je dis là, bon, bah d'accord, l'épée du terre, on la voit pas beaucoup. Puis en plus, elle la prête. Pourquoi ? Attends, on va pas prêter Excalibur quand même. Ah, mais c'est pas Excalibur ! Ben voilà, tout s'explique. C'est pour ça. J'ai trouvé ça trop bien, du coup. Parce que justement, c'est ça, c'est aussi. Pareil, l'épée, il y a toute une. Il y a l'épée dans la pierre, mais il y a aussi justement l'épée qui vient d'Avalon, qui vient de la Dame du Lac. Et donc du coup tous ces éléments là, ben ils sont mis en perspective, ils sont couplés et tout marche bien, quoi. Ça et ça sent vraiment les recherches derrière du feu de Dieu, quoi. Parce que y a pas que, enfin, parce que pour tout imbriquer tout ce petit Tetris, il faut avoir une maîtrise de ce qu'on veut dire qui est impressionnante, quoi. Bon. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de bien, en fait ? Il y a tellement de choses. On peut dire que la couverture est stylée par Didier Graffé. Oui. Et en plus, j'étais contente parce qu'ils n'ont pas mis les bords bizarres sur les couvertures. Ils ont changé leur charte graphique. Ils ont changé leur charte graphique et j'étais contente parce que je déteste les bords bizarres des Albin Michel de d'habitude. Ah, je suis pas habituée. J'ai pas. C'est mon premier Albin Michel imaginaire. En fait, ils ont des autres. Ils ont des gros bords là comme ça. Ah. Ils ont des petits. Ouais, ils même pas. Je déteste. Je déteste. Je déteste la charte graphique sur. À chaque fois, ça me stresse. Ah, du coup, j'étais contente parce qu'ils n'ont pas mis tous les petits bords là. Le dessin n'est pas gâché. Voilà. Je trouve ça cool. J'ai bien aimé l'idée des bagues sur les épées aussi. C'était chouette. En fait, c'est plein de petits détails aussi qui sont super, super chouettes. Et du coup, je trouve que ça rend très vivant aussi le roman. C'est pas juste une histoire historique, enfin, une chronique historique, quoi. Enfin, ou semi-historique, même si elle existe, enfin, on en pense qu'on veut, mais en fait, c'est très vivant, c'est des personnages qui vivent, qui bougent, et cette histoire d'anneau, par exemple, bah, c'est vraiment très symbolique, quand on voit Arthur qui, à la fin, le détruit, tout ça, enfin, voilà. Donc, c'est très, très bien, les anneaux. Voilà. Je pense que j'ai plus rien de bien à dire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire de bien sur ce livre. Je crois que moi aussi j'ai fait le tour de tout de tout le bien que j'ai à en dire. Et comme j'ai aucun mal à en dire, voilà. Non, juste un petit recueil de nouvelles avec des quêtes, c'est très bien. Oui. Ah oui. Ah, oui. En plus, il y a
Il y a des ellipses dans le livre. Donc mais oui, on peut c'est facile à faire. On peut caler plein de pages. Je dis c'est facile à faire, hein, comme si c'était moi l'auteur. Hein. Allez, c'est bon, au coin du feu, là, entre midi et deux. Voilà. Bon, on attend ça pour Westurland, hein, pop, pop. Au boulot. Et on espère qu'il y aura un petit clin d'œil à la garde de nuit en plus dans la première quête. Alors là, ça serait la cerise sur le gâteau. Il y a quoi ? Il y a un corbeau maléfique ? Il doit y avoir une créature en forme de corbeau qui existe à laquelle on pourrait partir. Déjà Bran, le corbeau, tout ça, c'est Corbenic. Il y a aussi une petite filiation avec la légende arthurienne par Martin. Ah, Jean-Laurent a dit c'est parti pour un recueil de nouvelles alors. Ah, on achète. Où est-ce qu'on signe ? Bon, Albin Michel imaginaire, vous avez compris, vous aurez au moins vous aurez au moins trois clientes pour les pour les nouvelles. Non, mais il y en aura plus, on va en parler aux copains et aux copines. Bah oui. Aux frères, aux sœurs, aux cousins, cousines, voilà. J'ai déjà commencé la pub, comme je disais. Bon, mais je pense que on peut aussi faire la pub à tous les gens du coup qui nous regarderont possiblement en replay en leur disant de lire le livre. En même temps, s'ils nous écoutent depuis tout ce temps, je pense qu'ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils lisent ce livre. Mais en même temps, s'ils nous écoutent depuis tout ce temps, c'est qu'ils ont lu le livre vu qu'on est dans la partie spoil. Bah, peut-être que c'est des gens qui veulent volontairement se spoiler. J'y arrive pas à ça. Et on leur a pas dit comment ça finit, c'est vrai. Mmh. Oui. Tout à fait. C'est vrai. C'est une très belle fin, très poétique. Une très belle fin. Ouais. Mais du coup, si jamais vous nous regardez en replay, en tout cas, merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo YouTube, sur le forum de la garde de nuit. On sera très contente de vous lire. Tout à fait. Et puis voilà, je pense qu'on va conclure un peu là-dessus, hein, parce que après tous ces commentaires dithyrambiques, on n'a pas l'habitude. En plus, d'habitude, on a toujours quelqu'un qui râle. Et là, même pas. Non. Donc voilà, bah, du coup, je pense que ouais, on va pouvoir se dire au revoir, se donner rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Vampiria. On espère qu'il y aura autant de petits cœurs, hein, parce que ça serait cool quand même, que c'est quand même vachement bien de lire des livres qu'on aime, en fait. Oh bah oui, c'est vachement bien. Bon, j'ai lu que 15 pages pour l'instant, donc je ne saurais pas vous dire s'il va y avoir plein de petits cœurs. Et puis, bah, on peut remercier tous les gens qui nous ont suivis sur Twitch, qui étaient sur le chat et qui nous ont écoutés. C'était très, très sympa de vous voir. Et merci du coup à Jean-Laurent Del Socorro d'être resté. Ça nous fait très plaisir. Vous avez supporté pendant 2h30. Attends, non, 1h30. 1h30. Mais merci pour ce livre. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et puis, bah, à une prochaine fois. À bientôt. Jeudi.